Hello chers amis traders, bienvenue à toutes et à tous sur Price Action Trading, c'est Yann avec vous, donc je serai votre éducateur pour cette nouvelle leçon. Franchement, je suis très ravi de vous retrouver, ça faisait au moins 5 minutes que je n'avais pas tourné de vidéo. Non, oui, je déconne, c'est pour rire un petit peu. Non, sérieux, ça fait plaisir. Bon, alors aujourd'hui, vous avez vu le titre, donc comment réussir en bourse? Eh bien, c'est très simple. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit secret, un grand secret, qui finalement n'est pas un secret, mais il y a très peu de personnes qui débutent, qui l'appliquent, et c'est vraiment dommage. C'est simple. Si vous voulez réussir en bourse, il va falloir déjà un outil. Le premier, c'est vous inscrire sur TradingView. TradingView, c'est vraiment l'outil par excellence pour pouvoir faire vos analyses. Alors, je ne dis pas c'est sur cette plateforme que vous allez trader, mais c'est sur cette plateforme-là que vous allez pouvoir faire vos analyses. Elle est vraiment complète et vous ne trouverez aucune plateforme aussi complète que TradingView. Alors, deuxième petit point, je ne fais aucune affiliation avec eux, je n'ai pas de programme de parrainage ou de quoi que ce soit, d'accord? J'utilise cette plateforme depuis le début, ils font des mises à jour continuellement, ils l'améliorent continuellement, c'est une des plateformes les plus utilisées au monde au niveau de l'analyse technique. C'est aussi une plateforme communautaire, c'est-à-dire qu'ici vous avez l'onglet message, vous allez pouvoir échanger avec d'autres traders, vous allez pouvoir répondre à des groupes, à des forums, enfin bref, il y a de tout. Vous allez pouvoir donc publier vos idées. Regardez les idées de ceux auxquels vous êtes abonné. Donc personnellement, moi, je publie aussi mes idées. Vous pouvez me trader. Donc moi, sur TradingView, c'est Yann Ney. Vous pouvez me trouver très facilement. Yann-Ney, Nay. Je publie quotidiennement des analyses. Donc vous voyez, donc ici, c'est toutes mes analyses. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment un super outil et si vous ne l'avez pas dans votre panoplie, c'est vraiment dommage parce que c'est une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore rentable aujourd'hui, c'est parce que vous n'utilisez pas. Je ne dis pas que TradeView vous fera gagner de l'argent, c'est le fait, c'est les possibilités que offre cette plateforme pour améliorer sa psychologie, améliorer son analyse qui diminuera les probabilités de perte. Voilà. Ok, donc ça c'était pour TradingView. Donc vraiment, je vous invite à aller vous créer un compte, pas forcément en professionnel, à vous créer un compte basique. Ici, donc vous pouvez gérer, créer votre liste d'actifs, enfin d'actions, de devises, etc. Donc moi ici, voilà, je suis sur les matières premières, les commodities. Ici, donc le CAC 40. Ici, je suis sur les cryptos. Là, je suis sur les paires de devises. Là, je suis pareil sur le Nasdaq. Et là, je suis sur le CAC 40. D'accord? Donc voilà. Très important donc à pouvoir se faire un compte sur TradingView. Vous allez ici donc toutes les possibilités donc pour pouvoir dessiner. Donc ici si je remets donc en vue et peu importe, hein, peu importe OCHF ou peu importe la devise. Donc voilà, vous allez pouvoir donc faire vos analyses, publier vos analyses, échanger avec des traders, c'est très important. D'accord, vous sentirez déjà, c'est le fait de sentir moins seul parce que c'est vrai que devenir trader, c'est un métier qui est quand même assez compliqué. On ne trouve pas des traders tous les jours autour de nous. Donc c'est quand même un métier où on est en quelque sorte isolé, seul face à son écran. Donc c'est important d'avoir une communauté de traders avec lesquels on peut échanger. D'accord? Donc vous voyez, par contre, j'ai un jour la réflexion, me dire pourquoi les fonds sont noirs. C'est tout simplement pour ne pas fatiguer les yeux, parce que je suis un ancien ingénieur mécanique, et je peux vous assurer que le fond blanc avec... Que le thème en blanc, le thème clair, en fait, fatigue les yeux. D'accord? Vous pouvez vous en rendre compte, que ce soit ici, sur TradeView ou sur Vantage, j'ai toujours un fond noir, j'essaie toujours au maximum d'avoir un thème sombre. Ça permet juste de moins fatiguer les yeux. Ça permet de moins fatiguer les yeux et donc du coup de pouvoir passer un peu plus de temps sur les graphiques. Moi personnellement, c'est une réelle passion, je ne m'en lasse pas, je passe des 18 heures par jour pratiquement sur mes graphiques. Donc voilà, faites attention à vos yeux, c'est important. Si vous pouvez vous acheter même un petit écran de protection anti-lumière bleue pour ralentir le vieillissement prématuré des cellules, ça serait encore mieux. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour TradingView. Maintenant, non, la deuxième chose la plus importante pour pouvoir devenir un trader rentable, donc c'est votre compte en démo. Alors, votre compte en démo, mais très important, c'est aussi le choix de votre broker. Et oui, les amis, beaucoup de gens sont perdants dans le trading parce qu'ils ont fait le mauvais choix du broker, tout simplement. C'est comme votre véhicule. Encore une fois, je vais encore prendre l'exemple du véhicule et je vais vous baratiner, je vais vous saouler avec votre véhicule. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous choisissez un véhicule, vous le choisissez en fonction de certains critères. Sa consommation, consommation énergétique, consommation électrique, consommation, enfin bref, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte, la puissance du moteur, etc., etc., etc. D'accord? Chaque
personne prendra un véhicule en fonction de ses besoins. Un couple qui a trois enfants, on s'en fout un peu de la puissance du moteur, il va plutôt chercher un monospace. D'accord? Nous, dans le trading, on s'en fout, on n'est pas avec à trader avec la copine, le copain, le machin. Nous, on veut quelque chose d'utile, de pratique. Donc, le broker aujourd'hui, il faut savoir qu'il prend, il prend des commissions sur vos positions d'entrée, sur vos positions de sortie. Et il y en a qui prennent les deux en même temps, plus les frais de gardiennage, etc., etc., etc. Et plus les frais cachés. Donc, au final, pourquoi la plupart des gens perdent dans le trading? Parce qu'ils ont tout simplement fait le choix du mauvais broker. Un broker qui va prendre des commissions à l'entrée, qui va prendre des commissions à la sortie, qui va prendre des commissions pour des frais de gardiennage, qui va prendre des commissions si jamais vous coupez pas vos positions le week-end. Finalement, vous vous retrouvez avec des commissions énormes. On aura l'impression de payer son banquier. Vous voyez? Alors, j'ai une putain de surprise pour vous, les amis. J'ai une grande surprise. Un grand cadeau pour vous. Alors, je vais vous parler de Vantage FX. Vantage FX, aujourd'hui, c'est un broker australien. Le seul petit hic avec Broker FX, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, courant 2019, là, on est au mois de juin. Donc, je pense que ça s'est passé au mai. En mai 2019, comment ça s'appelle? Vantage FX n'avait plus le droit de prendre des clients français pour pouvoir trader, donc pour pouvoir les amener sur les marchés financiers. Mais il faut savoir que Vantage FX a un contrat, donc avec. Enfin, c'est plutôt Phoenix Auto, qui est une entreprise française de trading automatique, qui a un contrat spécial avec Vantage FX, donc qui permet d'avoir 0% de commission. Personnellement, j'ai un compte chez eux. Donc, je vous explique, j'ai un compte chez Phoenix Trading Auto. Donc, j'ai mon compte qui trade en automatique. Et en plus de ça, ce n'est pas réellement ce qui me fait gagner le plus d'argent, c'est réellement mes positions, mes prises de position qui me font gagner le plus d'argent. Mais pourquoi je suis passé chez eux? Parce que justement, comme ils ont un contrat avec Vantage en 0% de commission, 0% de frais de gardiennage, etc., etc. Donc, j'ai tout de suite pris ce broker en passant par Phoenix Auto. Et donc, du coup, je paye 0% de commission. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui donc de faire des trades gagnants, même en scalping. Je veux dire, aujourd'hui, on a la grande attention, dans la grande alerte de faire attention au scalping parce que vous passez votre temps à enrichir votre broker. Aujourd'hui, ce problème est réglé, il est solutionné. Si vous passez par Phoenix Auto et par Vantage, vous pouvez scalper avec 0% de commission. Pour ceux qui sont intéressés, vous me laissez un petit commentaire, je viendrai vers vous et vous donnant le lien pour entrer directement chez Phoenix Auto. D'accord? Donc, c'est une entreprise française basée ici en France. Et vous voyez, même les dirigeants, ils sont top, ils font tout pour développer l'entreprise. Franchement, c'est une super boîte. Je ne cherche pas à m'enrichir sur vous, encore une fois, les liens d'affiliation, tout ça ne m'intéresse pas du tout vraiment. J'essaie de vous donner vraiment le maximum d'outils pour que vous puissiez être gagnant au maximum. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Je ne veux pas avoir de perdants dans mon équipe. Je veux que tout le monde soit gagnant. Et si jamais un jour il y a quelqu'un qui perd de l'argent, je veux qu'il vienne me voir et qu'on voit ensemble et je le coacherai et je verrai ensemble pourquoi il perd de l'argent en trading, c'est pas normal. D'accord? Avec tous les outils que je vais vous donner dans toutes les prochaines leçons, si vous êtes encore perdant, c'est pas possible. D'accord? C'est qu'il y a un réel problème et dans ce cas-là, je viendrai vers vous pour essayer de régler ce problème. Donc, allez, c'est parti, je vous montre comment créer un compte démo chez Vantage FX pour commencer. Alors, un compte démo, donc on va utiliser surtout la plateforme donc MT4, je vous la présente, c'est celle-ci, donc c'est la plateforme la plus utilisée. Et il faut savoir que si vous devez utiliser par exemple MT4 avec le broker Vantage FX par exemple, et bien vous devez télécharger la plateforme MT4 donnée par ce broker-là. Parce que chaque broker laisse son empreinte, pour faire au plus simple, chaque broker laisse son empreinte donc au niveau de la plateforme MT4, donc chaque broker utilise MT4, mais vous ne pouvez pas utiliser par exemple le broker Vantage avec la plateforme MT4 qui a été téléchargée chez un autre broker, chez eToro par exemple ou chez un autre. Vous voyez, c'est juste pas possible. J'ai dit eToro au pif, hein, ça se trouve, ils ont même pas, ils proposent pas MT4. Admiral Market par exemple. Vous voyez? Et inversement, vous ne pouvez pas prendre comme broker Admiral Market et trader avec la plateforme qui vient de chez Vantage FX. Vous voyez? Donc voilà. Donc Vantage FX se présente de cette manière-là. Et je vous montre tout de suite donc comment créer un compte en démo. Donc vous passez chez votre broker, d'accord? Donc vous tapez donc vantagefx.com et là vous avez donc deux solutions: Open Live Account et puis Open Demo Account. Très important, donc vous mettez Open Demo Account, vous aurez automatiquement un compte à 100 000 $. Donc là vous cliquez, hop là, Open Demo Account. On va le faire ensemble.
Enfin, je ne vais pas ouvrir un compte Indemo, mais je vous montre, franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment très simple, c'est enfantin. Open Demo Account, vous rentrez vos informations, une adresse mail bien valide, parce que c'est sur cette adresse-là que vous allez recevoir donc vos identifiants et votre mot de passe pour pouvoir vous connecter à Vantage FX. Je vous montrerai dans la description le lien pour pouvoir télécharger Vantage FX, pour pouvoir télécharger MT4 directement par rapport à Vantage FX. Donc sur Windows, pas sur Mac. Sur Mac, vous allez sur le site et vous trouverez donc le lien de téléchargement. D'accord? Donc voilà, first name, last name, email address, phone, country. Country, alors, country, vous n'allez pas trouver la France. Parce que comme je viens de vous expliquer, donc en cours en 2019, il y a une loi qui est passée interdisant donc les Français de pouvoir entrer sur les marchés financiers à travers Vantage FX, tout simplement parce qu'aujourd'hui les États se rendent compte que la bourse, le trading automatique est en train de se démocratiser réellement, qu'il y a de réelles opportunités de devenir riche. Et donc ça leur fait un petit peu peur. Donc là, ils sont en train de mettre des lois. Mais vous inquiétez pas, Vantage FX, le jour où vous passez en réel, ils sont aussi placés aux îles Caïmans. Et dans ce cas-là, il n'y a personne qui peut venir fouiller votre compte. Vous inquiétez pas, Vantage FX est un broker régulé depuis 1995. Il n'y a aucun problème avec eux. Ils sont très corrects. Encore une fois, je vous dis, vous avez 0% de commission avec eux. Si vous êtes intéressé, encore une fois, revenez vers moi dans les commentaires. Dites-moi que vous êtes intéressé par Vantage FX et je vous donnerai le lien directement d'inscription pour pouvoir bénéficier de 0% de commission chez Vantage FX en passant par Phoenix Auto. D'accord? Dites-le moi dans les commentaires et vous pourrez bénéficier de cet avantage. Donc j'en reviens ici au niveau de country, vous mettez n'importe quoi, franchement ça n'a pas d'importance, c'est un compte en démo. Le plus important ça va être l'email, vraiment faites attention à l'email, le phone on s'en fout un petit peu, c'est pas réellement important. Vous mettez next, vous avez votre compte en démo et là une fois que vous aurez téléchargé donc Vantage, pardon, une fois que vous aurez téléchargé donc MT4, donc vous venez, alors attendez, donc vous voilà, vous venez à ce niveau-là, hop. Et vous mettez donc se connecter. Vous rentrez donc le login que vous allez recevoir dans votre boîte. Je vais y arriver. Donc vous rentrez votre login que vous allez recevoir dans votre boîte mail ainsi que le mot de passe. Au niveau du serveur, donc vous ne mettez pas Vantage FX Live 4, d'accord? Parce que vous n'êtes pas en réel, vous êtes en démo. Donc dans ce cas-là, vous sélectionnerez démo. Attention, sélectionnez démo à ce niveau-là. Le login et le mot de passe que vous recevez dans votre boîte mail. Vous enregistrez les informations du compte et vous mettez entrée et automatiquement vous serez connecté. Voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, faites-le, c'est très important. C'est très 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 important de vous entraîner en démo. Encore une fois, vous ne pourrez pas prendre votre véhicule sans avoir le permis, sans avoir calé, sans avoir fait des erreurs techniques, des erreurs psychologiques. Vous ne pourrez pas passer à 150 à l'heure sans faire d'erreur, c'est pas possible. Donc vraiment, je vous conseille de passer en démo pendant minimum 5 mois, de comprendre la psychologie. Et vous verrez, l'intensité, l'adrénaline, elle est autant présente en démo qu'en réel. Simplement que si vous passez en réel tout de suite, et bien, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que vous ne pourrez pas gagner tout de suite sans avoir passé en démo et vous êtes mangé de vilaines pertes. Ça se trouve, vous allez créer plusieurs comptes en démo parce que vous allez peut-être liquider tout votre capital. Le plus important dans le trading, c'est de faire attention à son capital, d'accord? C'est vraiment votre survie. Si vous lapidez votre capital, c'est mort. Il faudra donc refaire tout le travail à zéro. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore rentable sur les marchés financiers, c'est qu'il y a des raisons, d'accord? Et une des raisons, c'est que vous n'êtes pas encore assez entraîné. Donc, il faut vous entraîner et vous n'allez pas vous entraîner avec votre argent. Votre argent, mettez-le de côté pour l'instant. Mettez-le de côté, mangez avec, faites ce que vous voulez. Mais ne tradez pas tout de suite en réel. D'accord? Allez les amis, je vous dis ciao ciao. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, likez, partagez, abonnez-vous surtout si mon travail vous convient. Je vous dis merci à tous. Ciao ciao et à très bientôt. Donc dans la nouvelle. Ah oui, bah, je vous dis à très bientôt. Donc pour le nouveau level, le pack silver est fini. Donc les fondamentaux. Là, on va passer directement à le gold level, donc les techniques. Allez, ciao ciao les amis, je vous dis à très bientôt. C'était Yann.